Bon, un petit coucou par ici. J'espère que vous allez bien. J'en profite encore puisque Alba dort. Et ouais, ça doit faire, je sais pas quelle heure il est. Ouais, quasiment 2 heures qu'elle dort, donc dingue. Et bon, en tout cas, tout va bien. Alba va très bien. Rendez-vous sage-femme pour ce matin pour à domicile pour la peser, etc. Elle a pris en 6 jours 250 grammes. Donc, parfait. L'allaitement se passe hyper bien. C'est une vraie... une vraie gloutonne, comme on dit. Elle fait que manger. Mais tant mieux, elle nourrit bien ses couches, elle fait bien ses selles. Enfin, voilà. Tout est parfait. Et pour l'allaitement, parce que j'ai eu beaucoup de questions, même par rapport à mon opération que j'avais fait, du coup, en 2021. Par rapport aux prothèses. Donc oui, par rapport aux prothèses, alors aucune gêne, moi j'ai mes prothèses derrière le muscle, donc ça n'a pas du tout, été négatif par rapport à l'allaitement, néfaste. Et tout se passe bien, j'ai aucune douleur supplémentaire, je compare par rapport à Tiam, et trop bien, je suis vraiment contente, elle prend bien le sein. Et on verra, puis j'espère que ça va continuer comme ça. Et sinon, je ne vous oublie pas, oui, je vous ferai le récit de mon accouchement. Il faut que je prenne le temps, parce que j'ai des vidéos aussi à vous poster qu'on a faites avant. Et je vais voir si je les poste en story aujourd'hui. Mais voilà, je ne vous oublie pas du tout. Et merci pour vos retours par rapport aussi au réducteur. Donc du coup, par rapport au message que j'ai lu, et même beaucoup de professionnels m'ont écrit, les deux réducteurs que j'ai mis ne sont pas vraiment conseillés. Après, voilà, on fait c'est à l'instinct, c'est chaque parent. Et donc oui, par rapport aux réducteurs, donc les deux que j'ai mis, Baby Move et l'autre je sais plus, ils ne sont pas vraiment vraiment conseillés. Comme je disais, après on fait vraiment comme on le sent, chaque parent, comment dire, c'est ce qui est bien, mieux aussi pour bébé. Donc cette nuit, j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps hier de mettre la serviette en dessous, du coup le drap, dans son cododo. Mais j'ai mis le couffin, parce qu'en soi, après c'est vrai que j'ai un sommeil mais pas vraiment profond, et beaucoup me disaient aussi c'est avec le couffin, donc celle qu'elle utilise en journée. Et c'est vrai qu'elle a un peu mieux dormi. Bon, la nuit c'est plus difficile que la journée. Elle veut très souvent téter ou être rassurée sur nous, etc. Mais après, elle a fait 5 heures, 8 heures dans son cododo.